Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne! Il m'a commandé une pièce en trois actes! Mais c'est merveilleux! Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne! Cyrano de Bergerac. Qui est-ce? Un poète, fin bretteur, avec... Avec? Un grand nez! Un grand nez! D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. On ne peut pas monter Cyrano en trois semaines! Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Non, 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 non! Si Maria Leblanc ne joue pas Roxane, nous retirons nos parts. Quand on ne perd son théâtre, vous perdez votre pièce! Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je louche. Je touche! Quand un verre lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. Non, non. En revanche, mon cher, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais si mal. Dites, demande, vos acteurs, là, ils ne jouent pas très bien. Eh, surtout le grand, là, Diès. C'est mon fils. Ah. Eh bien, mes amis, ça sent le succès. Pardon, Coquelin, pardon. De quoi? Pardon de vous avoir entraîné dans cette galère. Tout va bien se passer. Vraiment? Tout va bien se passer, répète Edmond. 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 Edmond.